ça, mon Bruno, tu sais que ça fait d'autres choses? Ouais, j'ai tordu 12 jigs à date. Ouais. Ouais, c'est bien rocailleux, hein, beaucoup de pierres ici. Le poisson est dans le fond en plus aujourd'hui, fait que. Sur le soleil. Pas facile. Toi, c'est pas trop longtemps que tu pêches à arriver des prairies? Ben, je pêche surtout durant la lose. Fait que tu sais, il manque comme 3 pieds d'eau. Ça me surprend un peu, tu sais. J'étais habitué à un niveau plus haut. Fait que je savais où aller, mais là, faut pas venir les chercher, les poissons, tu sais. C'est ça, le poisson. D'habitude, les sites, en général, qu'est-ce que le monde pogne, ça, comme ça? N'importe quoi. J'ai vu de tout ici se faire sortir, là, c'est hallucinant. Tu me donnes des exemples, vite, là, mettons, qu'est-ce qui sort le plus couramment, là? Barbu, la caisse, les pisostés, carpe. Achigan, doré, brochet. Le poisson le plus rare que tu as vu là, qui s'arrête à capturer ça, c'est quoi? Truite brune. Truite brune, ouais. C'est un livre, c'est printemps en plus. Durant la lose. Ouais. Le gars l'a échappé à un quai du bord. Je l'ai vu, mais. Sinon, non, c'est ça. Poisson castor, j'ai jamais vu ici. Non. J'imagine qu'il y en a. Regarde les rochons, peut-être plus bas dans la rivière. Sinon, ici, non, il y a un peu de n'importe quoi. Ouais. C'est ça qui est le fun de la rivière des Colombes. C'est un bel écosystème que dans le fond, il y a beaucoup d'espèces en même temps. Puis c'est bien balancé. Il y a des meilleurs temps de la saison que d'autres pour venir pêcher ici, par exemple, ça je l'admets. Mais vu que ça fait quoi, 2 ans qu'on se connaît, Bruno? Fait combien de temps que tu vas en pêche, justement? Je vais jamais te poser la question, mais là, on va te poser. J'ai 4 ans, 3 ans, à peu près. Tu as toujours fait de la pêche intensive depuis que ça... Ben, j'ai peut-être slacké un peu quand j'ai mon fils à 18, fait que... À un moment donné, vers 4 ans, là, de 4 à 14, j'ai slacké un peu, là. Mais là, j'ai repris de plus belle, là, t'sais. Côté professionnel, qu'on peut dire, là, que t'es en dedans de toi, fait combien de temps que t'appliques ça, vraiment, là, de la pêche? Bon, vraiment, je dirais 3 ans. Avec le côté professionnel, puis avec des attitudes pour apprendre encore des affaires plus... me perfectionner dans d'autres... le problème à Montréal, c'est qu'il y a trop d'espèces de poissons, il faut apprendre beaucoup de techniques. Beaucoup d'écosystèmes, beaucoup de structures, beaucoup d'habitudes de poissons, tu sais. Les leurres aussi, il y en a tellement, fait il y a beaucoup de recherches à faire. Comment dire, il faut s'adapter à plusieurs types de techniques et de sortes de leurres aussi. Surtout à météo, ça c'est... Ouais. Ça n'a pas changé à météo. Donc, ça, je disais tantôt aussi, la relève, ce serait bien important qu'il y en ait beaucoup aussi, hein? Oui, ben moi, avec mon fils, on fait des petites vidéos tout justement pour promouvoir la relève vers les adolescents, les 18 ans, là, tu sais. Puis ça marche bien, il aime bien ça. Il découvre des nouvelles espèces, des poissons qu'il n'aurait jamais pensé pêcher, comme la carpe, par exemple, ou le surgeon qui tire beaucoup. Les poissons, dans le passé, le monde boudait, aujourd'hui, le monde s'aperçoit que ces types de poissons-là sont aussi combatifs que les poissons connus. Là. Comme là, la cage, c'est petit, mais quand tu es capable de les trouver, ça donne des beaux combats, tu sais. Avec des équipements adéquats, autrement dit, ouais, aussi, bien important. Des petits canuts de solaire, des petits moulinets, des petits leurres. C'est très winner. Tu sais, là, aujourd'hui, j'essaie des nymphes. Ton moulinet est vraiment petit. Là. Ouais, c'est un tout petit quantum, là. C'est vraiment petit. Grosseur 100, le capel. Autrement dit, c'est pour avoir un maximum de challenge avec ton poisson. Ouais. Apprécier la pêche. Être plus discret aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile. Fait que la présentation, même si l'eau est sale, faut la faire correctement, tu sais. Fait que, on va te laisser à ton tournoi de pêche pour être capable de capturer du poisson. Ben, merci, à plus tard. Bonjour. Il y a une couple de pêcheurs aujourd'hui, là, on a une quinzaine avec nous autres, peut-être 15 et plus, là. On est plus loin, là, on les voit pas d'ici, là, on a une couple. On va regarder la réalisation, on va avoir des faux reflets dans le mâle, le barrage tout neuf, c'est trop électrique. Que, c'est ici que le printemps, il se ramasse beaucoup de poissons pour la fraie. C'est que le sanctuaire, ici, le printemps, de bonheur, c'est qu'on s'est défendu de pêcher dans les environs. Fait qu'il faut respecter ces types de lois-là. Faut qu'il y ait à prendre du poisson, justement. Le barrage, ici, plein de sortes de poissons. On a un grand visiteur qui vient une fois par année ici, qui est la lose savoureuse, qui a beaucoup de fervents de la pêche, qui aime pêcher ce type de poisson-là. Le printemps, là, il y a beaucoup de belles à lose. Tout le monde a bien resté pour avoir du plaisir ici au barrage Pignot. À bientôt! Hey Bruno, là justement, t'as oublié de te demander avec quoi tu vas pêcher pour les prendre, mettons, le poisson qui est ici, quel type de leurre tu vas essayer là? Ben là, vu qu'il y a 4 espèces au menu, j'en mets des gros leurres, le brochet tantôt. Gros leurre là-dedans, il est évident, hein, c'est du gros leurre. Ouais, c'est du gros pike. Tu sais, ici, moi là, je te regarde ça tantôt là.
des types de leurres, des jeux de des leurres de saccades maintenant, des verres de saccades. Ouais, ça c'est la compagnie éthique. OK. Toi, à date, t'as pris du poisson pas pire avec ça? Ouais, mais je fais des pots avec belle pêche. Je peux m'installer un tube, m'essayer au plus au large. Je me suis amené des spinner bait que j'ai fait moi-même. OK. Des spinner bait maison? Ouais. J'ai amené une poignée de rapalas. La compagnie que tu m'as nommée, là. Ben, les rapalas, des Life Target. Éthique, là. À date, qu'est-ce que t'en penses de leur leurre? Leur leurre est assez souple, hein? Ben, moi, ça marche très bien, j'ai rien à dire. À part que. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais ils ont les bonnes couleurs, j'ai remarqué. Non, ben, c'est ça. C'est ça qui est le plus important. C'est pas d'avoir une grosse variété, c'est d'avoir les couleurs vraiment polyvalentes pour plusieurs plans d'eau et plusieurs types de poissons. Là, ça, je vais essayer des tubes, après ça, on va essayer des jerkworms. On va voir ce que ça donne. Parce que là, j'ai essayé les berges, puis il y a trop de vent, fait que le poisson se fait brasser. On va essayer plus au large, dans le courant. Ça marche pas. Quel type de fil tu pêches aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai du mono, de la Fireline, puis du braided, là, du stressé. Les trois sortes. Tu vas ramener tes verres de saccade. C'est des beaux... La compagnie ici qui fabrique vraiment des beaux leurres. Ouais. Comme on peut voir, ils sont vraiment, vraiment mous comme les pêcheurs. Bon, ça, c'est des hameçons ultra strong de Mastad. Ouais, c'est un très bel hameçon, ça, hein? Ouais, il est très, très solide. Tu peux c'est pas un, le bouler. C'est un ferret vraiment... très piquant. 4X, là, 4.3X. C'est un ferret très fort, ça. Ouais. C'est sûr qu'ils font des leurres de qualité pareil, là. Ils font du très bon leurre. Ouais. Puis même, j'ai vu qu'ils faisaient des leurres pour la truite. Ils sont très odorants aussi. Ouais. Mais qui fait ça? Ils sont très souples, la compagnie éthique. Ils sont très bons. Ouais, c'est sont ça. Ils sont très souples. Très, très souples. Mou. Ce que le monde aime pour avoir une belle action. Ils sont une lourds belle quand même. Ouais, ben, c'est lourds. Ça. On va te laisser prendre du poisson. Merci beaucoup. Bruno vient de prendre un autre achigan. Hop! Et là, on va mesurer son échigan parce que tout à l'heure, il y avait une 10 pouces et demi, mais là, il vient de dépasser, il est rendu à 12. Ah ouais, 12, je viens 13. de la battre comme ça. Au revoir, au revoir. Excusez-moi. On va mesurer ça live. OK. Ah. Bruno, tu vas tenir sans partir du 1. Tu es capable, ou t'as une minute. Ça va bien mal, pas de trépied, mais je vais te demander de ton aide de coller le 1 à côté de la lèvre. OK. Tout le monde y voit qu'on est honnête, qu'on n'est pas est tout croche. 13 et 1,8, 13 et 1,4. OK. L'autre bord, tu vas sur tes chiffres. Non, tu es en centimètres, la même, OK. Par 8. 13-8? Oui. 13 et un quart par 8. On met ça à l'eau? Oui. Yeah, man. Oui, monsieur. Yeah, oui, 13 et un quart par 8. Hey, c'est bon? Avec Bruno, félicitations. Fait que, il est 1h-5, puis il s'est pas sorti d'autres poissons à l'heure actuelle. Fait que, j'ai changé le périmètre sur la rivière, on est près du barrage. Fait que, il y en a du monde qui attend pour prendre du poisson, c'est très difficile. Donc, il reste encore du temps en masse pour capturer le soile doré noir, la chigan en petite bouche, la brochette ou la pare-chaude. C'est dans les quatre catégories pour le tournoi. Et l'année prochaine, on va faire une formule différente pour l'automne. Ça va être toutes les catégories. Barbu et surgeon, donc on va pouvoir avoir plus d'observateurs, structurer les choses encore plus professionnelles encore. Ça va être très plaisant. Pour l'instant, c'est bien tranquille. Nos copains sont concentrés à essayer de prendre du poisson pour être capable de se placer. On revient plus tard.